Et au muséum qui avait des dinosaures, du coup, on pouvait vous montrer. Alors, ça c'est le dinosaure qu'on a trouvé. On trouve des os en fait, et on essaye de les reconstituer. Peut-être ça ne ressemble pas exactement à ce qu'il ressemblait, mais on imagine. C'est comme un puzzle. Comme un puzzle, ouais, on pourrait dire ça. Donc ça, celui-là, il était comme ça. Il s'appelle le Bradysaurus. Waouh, regardez comme ils ont fait ses pieds. Je crois que Grégory va... Grégory va adorer. Mais tous mes copains, parce que tout le monde a étudié ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, est-ce qu'il y a un autre dinosaure que tu voudrais présenter? Ouais. Celui-là, il est très petit. Il est plus petit, celui-là, hein? Ouais. Il a des très petits dents, ils ont plus de pointus. Et là, il y en a un derrière, il y en a un. Qui est connu, qui volait le pteranodon. On va le voir. Ouais. Non. Non, pas tout à fait. Celui-là, c'est l'autre, c'est un plésiosaurus, celui-là. Ouais. C'est un vrai puzzle, hein? C'est impressionnant. Un pteranodon. C'est un peu l'ancêtre des... Ouais, l'ancêtre des aigles. Enfin, des oiseaux, en fait. On va voir s'il y en a d'autres. Oh, regardez ici les œufs. Bien. Voilà, là on voit bien. Impressionnant, hein? Et ça fait un peu. Attention maintenant, il y a quelque chose. Si vous êtes un peu sensible, fermez les yeux, je vais vous montrer quelque chose de très fort. Quelque chose qui fait très peur. Tête de dinosaure. Regardez ses dents. Oh, oh, oh. On a survécu. Attends, attends. Alors, maintenant, on va sur quelque chose de nouveau. Voici des os de mammouth. Et là-bas, c'est les cornes de mammouth. Ouais, les défenses. On voit plein d'os. L'ancêtre des éléphants.